Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue à vous. Pourquoi pas également vous abonner. En tout cas, merci à tous ceux qui me suivent, ça fait plaisir. Vous avez l'habitude, vous pouvez activer la cloche si vous voulez recevoir les nouvelles notifications. Pourquoi pas mettre un petit pouce en fin de vidéo si celle-ci vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou me donner des idées de ce que vous voulez voir par la suite. Le format de la chaîne va changer un petit peu avec la concertation de plusieurs amis. Il n'y aura que deux vidéos par mois. Il y aura une visite à chaque fois du potager. Comme ça permettra de voir mois par mois ce qu'il en est. Et l'autre vidéo, ce sera forcément un tuto ou une explication de quelque chose. Aujourd'hui, du coup, la première visite du mois d'août. On est parti! Pour la visite, donc là on voit les artichauts, il y en a certains qui sont montés à fleurs, d'autres qui ont déjà séché, ça donne ça. Donc ceux-là ils ont fleuri et on va pouvoir récupérer les graines dedans si jamais on va en donner aux amis. Moi j'ai pas besoin puisque ça repousse tout le temps, donc on en a mangé pas mal hein. On voit hein, les tiges coupées etc. Néanmoins bah, on est parti en vacances, donc il y en a certains qui ont fleuri. Parti fraisier, bah ça redonne hein. C'est on va dire la deuxième vague. Donc voilà, on peut en voir. Donc c'est sympa. Je les ai pas protégés cette année, puis bah, j'en suis très content, ça pousse bien. J'avais fait ma récolte d'oignons rouges, néanmoins bah, on voit que hop, il en reste encore. Voilà. Donc il y en a quelques-uns qui se baladent encore là-dedans. Quand on voit les tiges qui sortent, c'est que c'est de l'oignon rouge. Allez, on part sur le potager. Rapide petit tour, on s'aperçoit qu'il n'y a plus les pieds de tomates. Donc mildiou, hein, vous êtes tous, en tout cas une bonne partie dans la France, il a plu beaucoup. Il a plu pendant que j'étais pas là, j'ai rien pu faire. Le mildiou, de toute manière, il n'y a pas grand chose à faire en curatif, hein, c'est souvent du préventif. On les pique avec du cuivre, etc. Là, on n'a pas pu faire, bon, bah, c'est pas grave, on a tout retiré. Et puis, bah, on fera 100 tomates cette année. Mais pas complètement, puisqu'en fait on s'aperçoit que, je vous montre en rapide, il y a des pieds bah, qui ont poussé. Donc là j'ai quoi? J'ai des choux, j'ai encore quelques haricots, etc. Là j'ai ma terre qui est presque papayée, parce qu'en fait j'ai ressemé encore des haricots. Moi j'en sème jusqu'à fin août. Hein. Donc on voit, ça commence à sortir. Et généralement ceux que je sème fin août, bah, je les laisse monter, je les récolte pas, comme ça me fait mes graines que je récolte en septembre pour l'année prochaine. Petit tournesol. Donc faut laisser faire. Par contre, les tournesols, faut attendre un petit peu. Une fois que les graines vont être formées, par contre, il faudra être vigilant parce qu'en une ou deux journées, les oiseaux, hop, ils vous mangent tout. Du maïs. Donc la récolte de maïs, pour savoir quand est-ce que c'est bon à récolter, en fait, on va cette partie-là. Une fois qu'elle va sécher, qu'elle sera complètement noircie, et bah c'est là qu'il faut cueillir, tout simplement. Un autre qui se balade ici. Ma butte d'asperges, donc que j'avais laissé monter. Voilà, je vous avais expliqué que j'avais souvent des tomates cerises qui poussaient. Et c'est ce qu'on peut voir. Donc c'est des petits pieds à chaque fois. Mais ils sont là, des petites tomates cerises. À plusieurs endroits, quoi. Donc bah, c'est plutôt cool, ça. Ce sera toujours ça de prix. Allez, si je regarde ce que ça donne. J'ai toujours mon poiré hein, qui a du mal à sécher hein, pour faire les graines. On voit, hein, ça fait des fleurs, ça commence à se former, mais c'est pas encore ça. Néanmoins, bah, comme il a plu, forcément les courgettes, elles poussent toutes seules. On peut voir ça. Ça, c'est des courges spaghetti. Ici, d'autres courges. D'autres courgettes. Encore ici.
J'ai des haricots, j'en ai déjà récolté, mais il en reste encore un petit peu. Et sur cette parcelle-là où j'avais tout viré, bah, ici aussi, j'ai la grappe surprise que bah, pas de problème de mildiou, c'est de la tomate cerise aussi. Et donc ça, c'est les pieds bah, que j'ai pas planté, hein, qu'on poussait tout seul. Donc c'est plutôt cool. Peut-être que fin août, début septembre, qui sait, on aura peut-être des petites tomates cerises. Les salades commencent à monter en graines. C'est pas grave, je cueille les feuilles, feuille par feuille, et puis ça fera l'affaire. On a l'ail qui monte. Ce que je fais moi avec l'ail, quand c'est comme ça, après, je récolterai juste les petites fleurs qui ont durci, et puis je mets ça directement dans l'assaisonnement. Et après, je cueillerai l'ail en question. Donc là, on est déjà bien, on en a 2, 4, 6, 7 d'autres qui sont en formation. Donc là, il y a de quoi faire. Hein. Je ferai la récolte sûrement après la vidéo. Allez, l'autre parcelle. Ça dit quoi? Ah bah, celle-là, elle est énorme. Voilà. Alors, le but, c'est pas d'avoir des courgettes comme ça. Ça, c'est beaucoup trop gros. En plus, si vous récoltez régulièrement, bah, ça va favoriser les autres pousses. Mais bon, on va l'accueillir quand même après. Sinon, vous en laissez une comme ça, pousser longtemps, et puis c'est celle-là que vous récupérez vos graines. De l'autre côté, tiens, un butternut qui se balade là. Encore ici. On voit que ça donne. Alors là, on pourrait dire, merde, comme ça se fait, il n'y a plus de paillage, quasiment plus. Mais en fait, tous les endroits, hein, j'ai ressemé. Hein. Donc là, on voit, c'est des radis qui ressortent. Donc j'ai ressemé des carottes pour cet hiver, des épinards, des navets, enfin pas mal de choses. Là j'avais mon semis de carottes qui se plaît bien. Donc c'est bien. On avait mis des poivrons. Alors cette année, bah, ça sort seulement maintenant. On y voit les tout petits poivrons. Donc bah, faut pas être pressé. Attends, une saison un peu particulière, mais bon, on fera avec. Et puis là, on voit, c'est seulement des fleurs. Les aubergines, elles sont à peu près dans le même état. Allez, je vais avancer. Pareil, encore des haricots à cueillir. Ceux-là, bah, ils sont finis, il n'y a plus rien à récolter. Encore des petites courgettes, on voit que ça donne. Hein. Les pieds d'aubergine. Seulement des fleurs maintenant. Donc on est mi-août. Généralement, ça c'est. Il y a déjà au moins 3 semaines qu'on va avoir des fleurs. Il me reste quelques salades à récolter, des choux. J'ai refait des semis hein, de betteraves, de salades, etc. Le maïs, tiens, voilà. Collé comme ça. Là, je vais pouvoir récolter l'épi. Allez, on avance. Intéressant de voir aussi, je vais regarder cet épi là, on voit que bah, il est cassé en haut. Donc la partie elle a séché. Bah néanmoins j'ai tout laissé et puis bah, on voit que ça pousse. Donc c'est cool, je vais quand même avoir mes deux épis. Le tournesol, celui-là, bah, il fait 2,50 m. Pourtant c'est les mêmes graines que les autres. Donc par contre il a l'air de se plaire. Le persil, il est là, il est bien. Les deux espèces que j'ai. Une salade en train de monter, pareil. Là, on voit des fleurs. Les fleurs elles peuvent se manger hein, en beignet, etc. Là, on voit petite courgette jaune, une autre là-bas aussi. Et de ce côté-là, il y en a deux. Donc, ça, la courgette cette année, qui en veut, on a pas de souci. Hein. Alors ça se conserve bien, donc vous pouvez aussi faire des bocaux avec, ou même directement au congélateur. Un chou. Ici on voit un concombre. Fait de bon récolté. Un autre ici. Donc c'est sympa. Quelques haricots, etc. J'en ai ressemé aussi. Et ça, c'est les topinambours. Alors là, je sais pas si on se rend bien compte, mais
Ça fait ouais, au moins 4 mètres là. Alors chaque année, j'ai l'impression qu'il y a près de 50 cm de plus. J'avais récolté mes pommes de terre. Alors sur ce terrain-là, je suis envahi de framboisiers. Donc bah, c'est pas plus mal parce que j'ai pas mal de pieds qui ont souffert. Alors c'est pas grave, hein, vous savez, les pieds de framboise, une fois que ça donne, ça meurt. Et puis c'est les pieds de l'année qui vont redonner l'année après. Donc bah, ceux-là, je vais tout déterrer au mois d'octobre. Et je vais replanter ailleurs. Entre-temps, on voit qu'on a nos choux, ils sont là, ils morflent un peu, mais ils sont encore en vie. Et on a des pieds de courgettes qui sont là-dedans et d'autres qui vont. C'est de la courge qui sauve un petit peu du terrain, mais c'est pas très grave. Cette parcelle-là, j'avais refait un semis de haricots. J'avais tout récolté. Et donc bah là, on devrait être pas trop mal, je pense. Qu'est-ce que ça dit? Là, on voit des fleurs et puis on voit certains bah, qui sont même bons à récolter. C'est comme ça sert à rien de pousser plus. En fait, à partir du moment où vous allez voir des bosses, bah, vous risquez d'avoir des fils en fait. Donc bah, vous les récoltez quand ils sont comme ça, bien lisses, et vous n'avez pas de problème. Donc bah, là, j'ai de quoi faire encore. On va pouvoir en manger puis faire des bocaux. Allez, ici, en fait, tout est à nu parce que bah, c'est des semis qui ont du mal à percer le paillage, tout simplement. C'est notamment mes carottes. Donc on verra. Et de l'autre côté, j'avais mis aussi des haricots verts encore. Par contre, ce chou-là, il est monté à fleurs, c'est mort. Et celui-là, bon, on va voir ce qu'il donne. Allez, voilà pour cette partie-là de visite. Mon mur de mur. Donc on voit les futures récoltes qui promettent. Certaines qui sont bonnes. Ça c'est cool. Et les noisettes qui sont déjà formées. Allez, on va voir l'autre mûrier. Oui, on se régale en ce moment. Ça donne plein pot. C'est cool. La surprise, c'est que j'ai un pied de tomate qui a survécu ici. Donc, je sais pas encore ce que c'est. On verra bien s'il arrive à aller à maturité. Cette partie-là, courgette encore et encore. Donc on voit il y a plein de fleurs, etc. Ça promet. Le tournesol qui est là, ça gâche rien. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ici, bah, pied de tomate aussi. Il n'est pas tuteré, etc. En vue des la taille, ça va être des tomates cerises aussi. Donc on voit que ça supporte aussi le midiou, ça. Et par ici, qu'est-ce qui se cache? Donc c'est cool. Et ma vigne, bah, qui est bien partie. Ça c'est sympa. Allez, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Un bon rancage. Fils de disco.